1500 personnes à la manifestation en faveur du mariage pour tous aujourd'hui à Bordeaux, en réaction au rassemblement massif de la semaine dernière à Paris, où plus de 300 000 personnes affirmaient haut et fort leur opposition à ce projet de loi. Aujourd'hui, les manifestants appelaient à la tolérance et à la lucidité. Karim Jbali, Jean Rémias. Malgré une pluie battante, le moral est au beau fixe pour les 1500 manifestants, une trentaine d'organisations. Emmené par le collectif pour l'égalité, ont organisé cette marche de soutien pour le mariage gay à Bordeaux. Ce fut l'occasion de remettre les choses au point une semaine après le défilé des opposants au projet de loi. Ça fait mal qu'autant de personnes descendent dans la rue, non pas pour revendiquer un droit, non pas pour garder un droit, mais tout simplement pour pouvoir interdire à d'autres personnes d'avoir les mêmes droits qu'eux. C'est scandaleux, ça ne devrait même pas exister en République. Je m'interroge par rapport à la notion d'endoctrinement. Parce que je pense que ce sont des gens à qui on n'a pas donné suffisamment d'éléments de réflexion et qui sont endoctrinés. Hétéro, homo, tous égaux, les slogans sont toujours les mêmes que ceux du 8 décembre. Aucune inquiétude de prime abord sur le projet de loi, même si celui-ci laisse de côté les parents homosexuels. Le projet de loi, on est à peu près sûr que sur le mariage, il va passer. En revanche, il y a un certain nombre de revendications qui ne sont pas encore inscrite au projet de loi. On espère que ça le sera prochainement via des votes d'amendements, même si les parlementaires nous disent non aujourd'hui. Prochain rendez-vous le 27 janvier, cette fois-ci à Paris. L'ouverture des débats parlementaires étant fixée au 29.